Ce vendredi 2 février, Véronique Mounier, ancienne animatrice star de L'Amour est dans le Pré, est de nouveau look pour une nouvelle vie sur M6. A accepté de divulguer la somme qu'elle percevait chaque mois pour présenter les deux émissions. Si les téléspectateurs identifient Karine Le Marchand comme l'animatrice attitrée de l'émission L'Amour est dans le Pré, elle n'a pas animé l'émission depuis son lancement en 2006. En effet, à l'époque, c'est Véronique Mounier qui avait été choisie par la chaîne pour animer le programme de rencontres entre agriculteurs. Lors de la deuxième saison, l'animatrice avait quitté l'antenne pour laisser sa place à Alessandra Sublet, puisqu'elle était enceinte d'un petit garçon. De retour pour la troisième saison, Véronique Mounier avait décidé de quitter son rôle d'animatrice sur la sixième chaîne. Sur M6, quand je me suis retrouvée plus exposée, je ne le vivais pas très bien. Savoir communiquer sur soi est un autre métier. Ce que je préfère, c'est le moment où je tourne, quand je suis avec l'équipe, avait-elle déclaré quelques années à nos confrères de TV Mag. Ce vendredi 2 février, TFX consacre une émission Que sont-ils devenus ? Consacrée aux stars de la télé qui ont décidé de mener une vie loin des caméras de télévision ou au contraire, de multiplier les expériences sur le petit écran. Cependant, si les années ont passé, l'ancienne compagne de Thierry Clopot garde toujours de très bons souvenirs de ses années à l'antenne. Le salaire mirobolant de Véronique Mounier sur M6. Véronique Mounier n'a jamais rêvé d'être animatrice télé. En effet, la maman de Gabriel et Valentine, qui détient un diplôme de docteur en pharmacie, est tombée dedans par hasard, grâce à son compagnon de l'époque, qui l'a averti que France 2 cherchait une nouvelle chroniqueuse santé sur Télématin. Après des essais fructueux, la jeune femme est choisie par l'antenne pour tenir une chronique aux côtés de William Lémergie où elle restera 4 ans à l'antenne. Très vite, l'animatrice tape dans l'œil de M6 qui la déloge de France Télévisions pour animer L'Amour est dans le Pré, et plus tard Nouveau Look pour une nouvelle vie. Autant de projets très lucratifs pour celle qui est désormais praticienne en nutrithérapie et micronutrition à Boulogne-Billancourt. Aux caméras de Que sont-ils devenus ? Diffusée sur TFX, Véronique Mounier a levé le voile sur le salaire qu'elle percevait à l'époque pour animer ses émissions en prime time. Les mois où je tournais, je devais être à 10 000 euros, ce qui était, pour moi, beaucoup. C'était vachement bien, a-t-elle révélé. Et d'ajouter, en fait, vous avez un fixe pour l'exclusivité, autour de 4000 euros et puis après, on rajoute des émissions et après, on négocie par émission, mais moi, je trouvais ça plutôt très confortable. Une vie confortable, mais qui ne l'a pas empêchée de garder les pieds sur terre.